ビデオ。ペロンポン。戦え、戦え、戦え、戦え、戦え、オタキング。Salut les dauphins, aujourd'hui on va parler d'un... Attends Otaking, j'ai un copain qui s'y connaît en mangas. Vous pourriez collaborer ensemble, c'est le chef Otaku. Le chef quoi? Le chef Otaku, il est super connu. Cool, on mettra sa tronche sur la miniature de la vidéo alors. Connaît-il le mot de passe pour rentrer dans mon palais au moins? Dragon Ball, c'est la vie. Ok, mets-toi à l'aise. Salutations tête de nage, je suis le chef et bien... Qui es-tu, mais qui es-tu? Je suis le chef. Ah mais oui, je te remets, t'es le mec que j'imite, que mes vidéos c'est exactement les mêmes que les tiennes. Alors que le seul point commun c'est qu'on se filme en facecam et qu'on parle de manga, d'animation et probablement d'autres trucs. C'est faire à bouffer, non? Au menu, des pâtes, avec des pâtes et des noyomères. Pendant que le chef me prépare à bouffer, je vais pouvoir continuer là où j'en étais. Aujourd'hui on va parler d'un jeu vidéo et pas d'un manga en fait. Mais qu'est-ce qu'un jeu vidéo? Tu dois te dire mais putain mais de quoi il parle? J'en ai jamais entendu parler, c'est quoi ce délire? Pour le commun des mortels, un jeu vidéo c'est ça. Et pour moi, c'est ça. Et si comme moi, t'as grandi avec des personnages au charisme semblable à celui-ci, eh ben tu vas pas être déçu, mon pote. Prépare-toi à niquer des races. On va parler d'Azrael's Wrath. Azura's Wrath, putain, même Google Trad galère plus que moi à prononcer ce foutu nom, est un jeu vidéo de type beat'em all, développé par CyberConnect 2 et édité par Capcom en 2012 sur PlayStation 3 et Xbox 360. Alors en gros, beat'em all ça veut dire balai tous, je pense qu'il n'y a pas besoin de décrire ce type de jeu. De la baston, du beat'em all. CyberConnect 2 c'est le développeur de la série des RPG Hack et de la série des Naruto Ultimate Ninja, donc niveau baston, ils savent y faire. Et Capcom c'est les darons de Mega Man, Devil May Cry, Street Fighter et plein d'autres. Alors vraiment, qu'est-ce que c'est Azura? Pourquoi devrais-je jouer au Otaking ou quoi? Spectateur à l'accent raciste, je vais te dire pourquoi. Eh bien tout simplement car c'est un jeu sympathique, racontant l'histoire d'une divinité déchue obsédée par la vengeance, dans un monde où la science-fiction se retrouve mêlée à la mythologie asiatique. Mais ça c'était l'explication grossière. En voici une plus convaincante, plus pointue, plus subtile. Azura's Wrath, motherfucker! La colère d'Azura, jamais un jeu n'a aussi bien porté son putain de nom! Eh gros, je te jure, je pense qu'Azura détient le record de patates dans la gueule, toute œuvre confondue. C'est n'importe quoi, gros, du début à la fin, bah bah bah! Patate sur patate sur patate sur patate! My life, it's potato! Je vais me calmer et te parler de la première chose qui devrait attirer ton putain de regard, le putain d'univers du putain de jeu. Le putain d'univers du putain de jeu? Le putain d'univers du putain de jeu. L'univers est apparemment inspiré par l'hindouisme ou encore le bouddhisme, le tout saupoudré de technologies du turfu, avec des robots, des vaisseaux gigantesques, des rayons laser et des demi-dieux au pouvoir immense protégeant la Terre qu'ils nomment Gaïa. Le tout cadré par une direction artistique qui a bien de la gueule, une mise en scène de niveau Super Saiyan légendaire, et un background assez profond malgré ce qu'on pourrait croire. Avant de te résumer le scénario, je vais laisser Otakouille te résumer l'instant formidable où j'ai acheté le jeu. J'adore les salons consacrés à l'animation, au manga, aux jeux vidéo, au cinéma, aux traditions et à la culture japonaise. Oh, des jeux vidéo d'occasion. Oh mais, c'est Azura's Wrath. Super, j'adore ce jeu, j'ai adoré la démo. Oh, monsieur, je vous le prends tout de suite. Est-ce que vous avez pas aussi des jeux par hasard où il y a des chats? Des grands chats, t'es des putes de... Fils de chien, va, t'avais un truc à faire et t'es encore à côté de la plaque. Faut toujours que tu rajoutes ton grain de sel, là. C'est ta faute, moi j'aime pas le jeu-là, y'a pas de chats hein. Dans le jeu-là, y'a que des mecs musclés et des cinématiques. Allez, viens, petit chef, on va aider ton frère à faire à manger, et puis on va jouer à Dead or Alive 5. Moi, je prends Marie-Rose. Truc de gueule. Ce bouffeur d'urètre va au moins me permettre de rebondir sur un truc. Effectivement, c'est pur testostérone dans Azura. Chat inconnu au répertoire. Si ce n'est quelques personnages féminins centraux à l'histoire. L'histoire. Depuis des millénaires, l'empereur Strada gouverne le royaume du Shinkoku aidé des demi-dieux qu'il a rassemblés, les 8 gardiens généraux. Ensemble, ils assurent la protection du Shinkoku et de Gaïa contre les Gomas. Les Gomas sont des créatures qui sont créées par la colère de Gaïa envers les demi-dieux. En effet, ces derniers ont atteint un niveau de technologie supérieur à toute civilisation sur Terre, ainsi que des pouvoirs cosmiques phénoménaux et même l'immortalité. L'avancée technologique est telle qu'ils sont considérés comme des dieux par les simples mortels comme ta sœur. Et cette avancée est due à la manipulation de l'énergie cosmique créée par les émotions humaines, le mantra.
Et si tu veux, les Goma, ils sont pas trop d'accord qu'on utilise le mantra pour devenir godlike. Et le king intersidéral des Goma, Vlitra, c'est ni plus ni moins que la Terre elle-même. Et quand Vlitra se ramène genre tous les 10-15 000 ans, il a à peu près 7 gueules. Il est mignon, hein. C'est le premier ennemi du jeu. Je déconne même pas. Le jeu commence, et là t'as un bon trilliard de Goma dans l'espace contre les 8 gardiens généraux, aidés par les pouvoirs de Mitra, la fille d'Azura. Bataille intergalactique, bagarre, destruction massive, surenchère japonaise, petite dispute entre personnages hyper burnés pour savoir qui va niquer le Big Boss, et le résélu est Azura qui lui pète sa race. Bon, par contre, c'est temporaire parce que Vlitra ne disparaît jamais vraiment. Et il revient toujours après plusieurs milliers d'années. Je te rappelle que c'est le tout premier ennemi du jeu et que si t'as trouvé ça impressionnant, t'es tellement pas prêt pour la suite. Au menu, des pattes. Ah, enfin, les pattes, t'en as mis du temps, chef. Ouais. C'est... Donc, après ce qui ressemblait fortement à un combat final, on pourrait croire que c'est bon, tout va bien, mais on en est qu'à 15 minutes de jeu, tu vois, et c'est maintenant que les enroules vont se produire. En effet, Azura discute avec sa femme quand soudain... Oh putain, Durga, bien bonne femme à l'allure douce et attentionnée, Azura, demi-dieu ultra sec et surpuissant qui... ne manque pas d'énergie. Mais il doit la défoncer, sa femme, c'est pas possible. Quoique, vu comme il est nerveux, il est sûrement précoce comme Vegeta. Je me suis égaré, pardon, je t'en supplie. Donc, Azura est pas trop content que sa fille participe à la guerre contre les Goma, oui, parce que c'est la prêtresse du Shinkoku, capable de manipuler le mantra à son degré maximum et d'augmenter le pouvoir des autres êtres vivants, un atout de taille pendant la guerre. Cela va sans dire. Mais ça, Azura, il en a mais rien à foutre. C'est sa fille, et il est hors de question qu'elle participe encore à des combats. Surtout que c'est une frêle et innocente gamine de 13 ans. Qu'est-ce que j'ai entendu? Dégage! Dégage tout de suite! Ah, on fait chier! Chier! Suite à la petite discussion avec sa femme, Azura est convoquée par l'empereur Strada. Kinder surprise, l'empereur a été assassiné et Azu se retrouve victime d'un complot orchestré par les autres gardiens. Il l'accuse d'être l'assassin de l'empereur, il tue sa femme et il kidnappe sa fille. Puis il la baise, elle est le cadavre de sa putain otakui, qu'est-ce que t'as foutu à mon texte? Azura, fou de rage, compte bien déglinguer tous ses mécréants et libérer sa fille. Mais hélas, impuissant, il se fait tuer par Deus, le fiefé gredin qui a planifié toute cette merde. Plus tard, Azura se réveille dans le Naraka, une dimension hors du temps dont l'unique habitant est une mystérieuse araignée d'or. Il gravit une colonne gigantesque pendant une durée indéterminée. Où sont le pouvoir ? La carrière de pouvoir ! Il ressurgit alors de Gaïa, mais pas de bol, il apprend que 12 000 ans ont passé depuis sa mort. Fou de rage, il compte bien se venger de ses anciens frères d'armes et sauver sa fille comme il l'a promis à sa femme. Et c'est là que l'aventure commence. Tu penses peut-être que je me suis trop attardé sur le scénario alors que c'est un jeu, il faudrait plutôt parler du gameplay? Mais sache que je n'ai pas fait ça par hasard, Stéphane. Parce que justement, le reproche principal fait au jeu par la plupart des joueurs, c'est qu'il n'est pas un jeu, mais juste un film interactif. Et je vais t'expliquer pourquoi il est considéré comme tel. Qu'est-ce que tu fous encore? On cherche un Karabaf dans les environs. Ouais, mais Karabaf, y en a aucun par ici. Par contre, si tu m'interromps encore une fois, c'est Karabaf dans ta gueule. Allez, allez, casse-toi, y'a Tortank sur l'autoroute, allez, va le chercher. Quoi, mais c'est génial! Wow. Vite, viens, petit chef, on va aller chercher Tortank. Je veux être le meilleur de tous les dresseurs et sans aucun répit, je relèverai les filles. Je disais, la plupart des gens pissent sur Azura parce qu'il est considéré comme un film ou un dessin animé interactif, ce qui est compréhensible. Bah ouais, concrètement, le jeu c'est 70% de cinématique et de QTE. Je pense que c'est assumé. Rien que les niveaux sont découpés en épisodes appelés Sutra, et à la fin de chacun d'entre eux, il y a un To Be Continued, un aperçu du prochain épisode, un mini-générique... Et ils ont même été jusqu'à conclure les Sutras avec des harmonicelles. C'est quoi un harmonicelle, putain, c'est quoi? Calme-toi, spectateur à l'hygiène irréprochable, je vais te l'expliquer. Mais je suis pas le spectateur à l'hygiène irréprochable, je suis le spectateur nudiste, et ça, c'est ma... Les harmonicelles, donc. Chef-d'œuvre de l'époque révolue des cellulos, ces feuilles de plastique superposées avec lesquelles étaient créés les dessins animés d'antan. Vous savez, ceux qui avaient mille fois plus de gueule et qui étaient pas tout lisses dégueulasses, là, hein, Dragon Ball Super! Déjà que ton chara-design de merde fait fondre les muscles de tout le casting! Mais en plus, il faut que tu fasses perdre toute la badass épique avec tes traits fins ignobles! Alors que pour des personnes avec des musculatures pareilles, il faudrait des traits plus épais, plus bruts, et surtout plus de détails et de beaux ombrages, de beaux décors en aquarelle. Tu sais pas faire ça avec tes techniques d'animation assistées par ordinateur? Tu ressembles à une foutue animation flash! Même Dragon Ball GTA avait un plus beau grain d'image, tu es plat! Tu es vide! Vous allez payer, vous inquiétez pas! Je me suis encore égaré. Je perds toute objectivité quand on parle de celluloïdes. L'harmonicelle a été créée par Osamu Dezaki alors qu'il bossait sur l'animé d'Ashita no Joe. Paix à son âme. Je suis sûr que t'en as déjà vu, tu sais, c'est quand il y a un arrêt sur image dans un style crayonné. C'est fait pour appuyer une situation importante. Genre avant l'explosion finale de Vegeta, à la fin des épisodes de Cobra, et plein d'autres animés d'ailleurs. C'est souvent tellement beau que ça mériterait d'être encadré. Et aussi des animés récents qui font ça comme Kill la Kill par exemple. Tu te dois de mater cet animé pour le bien de la Terre, tu entends? Parce que l'art de l'épée en ligne, pas de jeu, pas de vie, ça va 2 minutes. Hein. Tout ça pour dire que dans Azura, il y en a plein des harmonicelles. Des harmonicelles, mais pas seulement. Il y a aussi plein de coups de poing et de cinématiques. Comme je te le disais tout à l'heure, 70% du jeu c'est des QTE et des cinématiques. Mais qu'en est-il du gameplay alors?
Faut bien avouer que le premier trailer du jeu présageait un délire à la God of War ou Devil May Cry. Mais force est de constater qu'au final, le gameplay était simplifié. Il se divise en trois parties. One. Des phases de shoot'em up où tu tires sur tout ce qui bouge, cerveau éteint. Two. Des phases de beat'em all classiques, pleines d'ennemis, malheureusement sans grande profondeur. Pas de technique à débloquer, peu de combos, juste une barre de furie, bref, c'est un peu triste. C'est pas désagréable à jouer en fait, mais vu que le gameplay évolue pas, c'est un peu monotone. Four. Et enfin, les bastons contre les boss qui sont grosso modo la même chose que les phases de beat'em all, mais contre un seul ennemi, et surcuté comme pas possible de QTE et de cinématique plus ou moins longue. Eh ben bordel, ça ajoute un sacré dynamisme à ce gameplay simpliste. Et ce simple fait me fait répondre à la problématique soulevée par ce jeu. Oui, Azura est un jeu vidéo. Je suis désolé, tu peux retourner ça dans tous les sens, mais Azura est un jeu. L'argument principal de ces détracteurs, c'est que des cinématiques où tu dois appuyer sur un bouton à des moments clés, des QTE, c'est pas suffisant pour être appelé jeu vidéo. Et en général, ces mêmes personnes disent « Ils auraient dû faire un film !» Sauf que non. Enfin, ça aurait probablement fait un très bon film, mais ça aurait été différent. Pourquoi ? Eh bien parce que les QTE sont ici utilisés comme vecteurs d'émotion. Je m'explique, dans les autres jeux qui en abusent, j'en sais rien, mais pour Azura, il y a un truc qui est clair, les QTE renforcent méchamment l'immersion. Pendant les phases d'action, par exemple, j'ai ressenti la puissance des coups d'Azura, sa rage et sa fatigue à chaque fois que j'appuyais sur un bouton. J'étais comme à sa place, et même pendant les phases calmes, là, cette toute petite scène, cette toute petite pression exercée par mon doigt à ce moment précis, est bien plus importante émotionnellement qu'on pourrait le croire si on sait ce qui s'est passé avant et ce qui se passe après. Cette scène est tellement classe que j'en ai encore des frissons. Si tu joues à Azura, à ce moment précis, tu pleureras. Mais ce seront des larmes d'hommes. Bien sûr, si ça avait été un film, j'aurais aussi ressenti tout ça, mais d'une autre manière. Parce que les QTE, c'est une chose propre aux médias jeux vidéo ludiques, mon pote. Et rarement un jeu n'a aussi bien compris ça que la colère d'Azura. Bon, si t'es toujours pas convaincu par le jeu, alors je vais te poser une question. Est-ce que tu te souviens de la transformation de Gohan en Saiyan 2? Le monologue de C16. Mamotte yatte kure. Tanonda so. Sa tête écrasée. La colère de Gohan. La gueule de sel en mode « Oh putain, j'ai déconné oh. ». Tu te souviens de la sensation que t'as ressentie à ce moment-là? Manifestement, les créateurs d'Azura s'en souviennent parce que c'est ça tout le long de ce putain de jeu. Je te parle même pas des musiques et de ces personnages au charisme de l'infini. On a Yasha, le beau-frère et rival d'Azura. Il est son exact opposé, calme et réfléchi, mais ils partagent tous les deux un grand sens de l'honneur et une grande fierté. Et August, le maître d'Azura, regarde comme il est débilement épique. En trois mots, August, c'est baston, vin et putain. That is what it means to live. C'est complètement Gannicus dans la série Spartacus, une série que je te conseille fortement d'ailleurs. En trois mots, cette série c'est... Amour, gloire et... Baston ! Et on n'oublie surtout pas Azura qui envoie Hulk et Kratos réunis en PLS. Comme son maître August, il a une façon bien à lui de voir les choses. I don't know what to do when she cries. The... best I can do is punch anyone who makes her cry. Père de l'année. Si je devais faire un top 10 des personnages les plus stylish que j'ai vu de ma vie, Azura serait très bien placé. Voilà gros, je pense avoir tout dit, et sans spoil en plus. Si t'aimes la démesure et les émotions fortes, bah chope le jeu à 10 balles sur eBay. Ah oui, et il y a des DLC où tu peux affronter Akuma et Ryu de Street Fighter. Et surtout, le plus important, il y a un DLC à 5€ qui ajoute 4 sutras à l'histoire. Il conclut tout à la perfection, c'est un putain de chef-d'œuvre. Au pire, regarde-le sur YouTube, mais ne rate surtout pas ça, frère. L'érection n'aura jamais été aussi forte, à part avec les DLC Mass Effect. Chef, tu t'es pas trop ennuyé, ça va? Par contre, MBO, tu partages toujours pas assez mon émission, hein. Ta mère et moi, on est très déçus par ton attitude. Que le beat soit avec toi et garde le flow. Moi, je pars affronter mon pire ennemi, les coins de meubles.